Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'attaquer à notre local technique. Donc c'est cette pièce, on va commencer par tout débarrasser, arracher le sol, tout enlever et remettre de l'OSB. Ensuite on va poser notre fenêtre aussi, refaire les maçonneries sur le contour de fenêtre, la tablette parce que la fenêtre est un peu plus petite que l'existante. Et après, on aura nos évacuations d'eau usée qui arriveront par là. Là, il y aura les nourrices d'eau froide et d'eau chaude. Et sur le mur de gauche, là où il y a un B, il y aura notre ballon d'eau chaude. On va s'attaquer à la maçonnerie, donc dans un premier temps on va déjà démolir cette fenêtre et ensuite on va faire les coffrages pour les jambages. Et pendant que les jambages sécheront, on fera quelques étapes dans la pièce, la mise en place du sol, etc. On a pris nos mesures pour notre jambage et on va recouler un petit peu aussi au niveau du trait de laser comme un linteau mais qui ne portera pas de poids puisqu'on laisse le linteau bois qui est en bon état existant et on va tout couler normalement en une pièce. Je vous montre en gros plan ce que ça peut donner au niveau des jambages quand on a une vieille maison en pierre. Donc en fait on a dû mettre une maxicale ici parce que le mur est vraiment pas droit. Et donc avec notre maxicale on a récupéré, je sais pas si on voit bien, hop, on a récupéré notre niveau. On est bon. Quand on veut couler des jambages comme ça pour une fenêtre, je conseille d'avoir un coffrage de qualité. Nous, on a pris de la planche de 27 mm. Et ensuite, surtout, il ne faut pas hésiter à bien mettre pas mal de serre-joints de maçon. Nous, on a choisi aussi de mettre des petits étais en travers, parce que le béton, quand il pousse, il peut faire se déplacer les coffrages. Et on en avait fait malheureusement la mauvaise expérience lors d'un coffrage précédent. Et franchement, il n'y a rien de plus rageant que de voir recommencer son coffrage parce qu'on n'a pas mis assez de serre-joints.
Alors, on avait prévu à la base de démonter le parquet bois sur lequel nous sommes. En fait, il est vraiment bien fixé, il est pas pourri sur la partie là où nous sommes. Du coup, on va poser directement l'OSB et visser dans l'ancien parquet. De toute façon, ça sert pas à une pièce dans laquelle on habitera, c'est juste un local technique, rien d'autre. Pour l'OSB, il faut bien faire attention, il y a bien un sens de pose pour les rainures. Donc normalement, c'est la partie plate qui est vers le haut. Ensuite, bah, évidemment, hein, c'est comme quasiment tout ce qu'on pose au niveau des dalles. Il faut pas que les joints soient toujours au même endroit. Du coup, on récupère la chute de la précédente plaque pour repartir sur la prochaine ligne. Et on en colle avant tout ça avec de la colle à bois. Et voilà, en une petite après-midi de travail, ce que ça donne. Donc là, je viens de décoffrer les jambages de cette fenêtre et on vient de faire un mini coffrage pour l'assise de notre appui de fenêtre parce qu'on a quand même pas mal à couler et à rattraper. Donc on fait déjà un premier rehaussement comme ça et du coup demain on pourra vraiment couler la tablette avec bien la petite pente et l'appui pour l'intérieur pour poser la fenêtre. C'est un petit moment que j'avais pas sorti mon appareil pour ligaturer. On va s'occuper de ligaturer le ferraillage pour la tablette de la fenêtre. Ceci. Et oui, de temps en temps, on fait encore quelques gâchages à la main. Ça maintient en forme. C'est sûr que là, j'ai juste la tablette à couler, donc j'ai pas besoin d'énormément de béton. Normalement, ça devrait suffire. Ça permet d'économiser un peu d'essence pour notre bétonnière thermique quand même.
Allez, c'est parti, on va couler la tablette. La tablette a eu le temps de sécher un petit peu. On va pouvoir poser la fenêtre. On va pouvoir enlever les coffrages. Bon, ça, c'était juste pour faire office de barreau. Ça sert à rien. Alors, nous, on a choisi un modèle de chez Lapeyre. C'est une 135 par 106 avec volet roulant électrique. Et elles font oscillo battant. Du coup, pour pouvoir démonter la fenêtre, il faut pousser la petite bague qui est ici pour que ça ressorte à ce niveau-là. Et seulement après pour pouvoir soulever la fenêtre. Donc là, on est en train de repérer, de faire nos tracés pour positionner nos équerres. Donc on en met 3 de chaque côté, à 15 cm du haut, 15 cm du bas et plein centre. On s'arrête là pour la vidéo sur le local technique. On reviendra dans cette pièce quand on fera les évacuations des eaux usées et les eaux froides de la maison, enfin avec la mise en place et le branchement de toutes les eaux de la maison. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires comme d'habitude. Ça nous fait plaisir. Des pouces bleus, à bientôt.